Bonjour Tatiana, j'espère que tu vas bien. Bonjour Skywalker, bonjour. Faut qu'on soit bien paramétré, faut qu'on soit comme ça. Voilà, comme ça les deux sont là. On décale un peu. Bonjour. Que vaut la diaspora? Amen. Poirier, merci. Et surtout, n'oubliez pas, je passe en simultané sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Sur YouTube, vous tapez Amer Kamer et vous allez tomber. Que vaut la diaspora camerounaise? Vous avez vu le tremblement de terre qu'il y a actuellement? Vous avez vu le tremblement de terre? Le tremblement de terre qu'il y a actuellement dans la diaspora camerounaise? Dans la diaspora qui a réussi. C'est décevant. Parce que nous, quand on parle, les gens pensent que on nous méprise, on nous insulte, on nous traite de tout et de rien. On nous traite de tout et de rien. Voilà vos stars. Vos stars des grandes soirées. Vos stars paillettes. Parce qu'aujourd'hui, ils sont incapables de vivre pour eux. Nous avons une diaspora qui passe du temps à vivre pour le regard des autres. Nous avons une diaspora qui passe le temps à vivre pour le regard des autres. Vous voulez qu'on évolue comment? Simple question. Comment voulez-vous qu'on évolue en parlant, en ayant du mal à s'assumer d'abord nous-mêmes? Les gars mentent comme il n'est pas permis, Léo. Les gars mentent comme il n'est pas permis. Je vous le dis. On les voit dans des grandes soirées, avec des bouteilles de champagne sur la table, avec des derniers sacs, avec des derniers tailleurs. Rien ne les appartient. Rien ne les appartient. Venez voir leur fan club dans les réseaux sociaux. Venez voir leur fan club dans les réseaux sociaux. Oh, c'est le king. Oh, c'est le roi. Oh, c'est... Je vais vous expliquer comment ils font pour louer les habits là. Je vais vous expliquer tout le paramètre. Je vais vous expliquer tout. Comment est-ce qu'ils font pour louer les habits pour amener en soirée? Pour venir se pavaner. Montrer une vie qui n'existe pas. Ils sont dans les réseaux sociaux. On ne vous voit jamais dans un magasin avec en train d'aller payer. On ne vous voit jamais en train d'aller travailler. Je vous ai dit la dernière fois que je suis en train de faire une formation VTC. Parce qu'apparemment, VTC, ça paye beaucoup plus. Raison pour laquelle j'ai mis mon PayPal. Raison pour laquelle j'ai dit que non, les gars, ça ne m'aide pas les dos. Donc, aidez-moi à payer ça. Voilà pourquoi j'ai mis le PayPal. Nous sommes dans une diaspora ou dans une soirée, ils sont avec des grosses fesses. Des grosses vestes. Rien dans les poches. Rien dans les poches. Vous les voyez dans les soirées. Avec des tables de remplies pleines de champagne partout. Allez regarder où ils habitent. Allez regarder où ils habitent. Mais vous allez rigoler. On les voit dans les soirées là. Ils prennent des crédits, des tables à 1000 euros. Ils sont agents de sécurité. Incapables de dire à leurs frères que, oh, dans ma société, là, on va trouver quelqu'un qui a les papiers, tu viens, on embauche dans ma société parce qu'ils ont honte. Est-ce que vous les avez déjà vus en train de travailler? Non. Vous ne pouvez pas les voir en train de travailler. Moi, hier soir, quand je faisais mes livraisons, c'était devant vous. Le matin, quand je faisais mes livraisons, c'était encore devant vous. Une diaspora maudite. Les hommes comme les femmes, alors c'est qui?
Les hommes alors, c'est pire. Tu les vois en soirée, ils marchent en faisant mal aux pieds. Tu penses peut-être qu'il a mal aux pieds. Non, ce n'est pas sa chaussure. Il allait prêter la chaussure. Ce n'est pas pour lui. Parce qu'il faut moi qu'il se voie bien en soirée. Il part prêter la chaussure. Vous les voyez avec les pantalons sautés. Vous avez l'impression que non. C'est la mode. Ce n'est pas pour eux. C'est terrible. Toi, je vais te bloquer. Voilà. Celui qui manque de respect, je m'adresse à ceux qui sont sur Facebook. Celui qui manque de respect, à Compressor, il est bloqué. À Lolo, il est bloqué. À Flore, il est bloqué. À l'Étoile, il est bloqué. Ici, vous commentez avec vos arguments. Toute insulte ou tout manque de respect envers un blogueur est bloqué automatiquement. Je ne vous gère pas. Mais par contre, vous pouvez contribuer dans le PayPal que j'ai épinglé. On continue. Non, Bobo, Mike, j'arrive. Je sais que ça va, je vais tomber. J'arrive. On a été sans papier. Mike Picard que vous voyez là. Vous voyez Mike Picard aujourd'hui vient commenter dans mes lives. Maki que vous voyez là. On a été sans papier ensemble. Bobo de voir Bilal Bakabo. Les Maki que vous voyez, on se connaît depuis au moins 14-15 ans. Celui que vous voyez là, on a été sans papier ensemble. Génération sans papier. Voilà une de ma catégorie là. Génération sans papier, même année. On jouait derrière sa scène là-bas. On joue ensemble. Je continue. C'est pour ma formation VTS. Apparemment, c'est une formation payante. Donc, je continue. On les voit dans les soirées. Comment ils se la racontent. Tu regardes le gars comme ça, là. On n'a jamais vu là où il travaille. On n'a jamais vu sa maison. On n'a jamais rien vu. Mais il faut aussi faire jouer dans la peau des autres. Moi, je vous avais dit que je n'avais pas l'argent pour aller à la soirée de Flore. Si je ne pars pas dans les soirées africaines, c'est parce que les soirées africaines coûtent cher. Et pour rien. Je vais aller dans une soirée africaine qui me coûte 100 euros. Je vais aller dans une soirée africaine qui coûte 100 euros. Nous sommes en période de vacances, de Noël. Moi, au Cameroun, j'ai 11 employés. Une soirée de 100 euros. Une soirée de 100 euros. C'est plus de la moitié du salaire d'un de mes employés. Ah oui? Une soirée de 100 euros. Ça fait l'argent de Noël. De quelqu'un. Une soirée de 100 euros. Moi, vous savez bien que quand je suis à Brive, je mange que les boîtes de conserve. Une boîte de conserve, c'est 80 centimes avec les tickets de réduction des assistants sociaux. Une boîte de cassoulet, c'est 80 centimes. C'est-à-dire, avec 100 euros, c'est 100 boîtes de cassoulet. C'est-à-dire que moi, ma ration en un mois, c'est 100 euros. Je ne suis pas venu en France pour m'amuser. Je suis venu en France chercher l'argent. Je suis venu en France chercher l'argent. Je ne suis pas venu m'amuser. Les autres sont venus s'amuser. C'est une bonne chose. On peut s'amuser et faire sa vie. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, ce n'est pas le cas. J'ai 11 employés au Cameroun. Ceux qui n'ont pas les emplois au Cameroun ont des familles au Cameroun. Des fois, quand j'ai dit aux gens que j'étais planté et tout, le Seigneur, c'est pour vous dire que ne vivez pas pour le regard des gens. L'Africain qui vient en Europe pour vivre pour le regard des autres est mort. L'Africain qui vient en Europe pour vivre du regard des autres, il est mort. Parce que tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureux.
Parce que tu passes ton temps à vivre pour les autres. Regardez dans les soirées. Il y a une là qu'on appelle la veuve alcoolique. Elle habite dans un HLM. Mais elle se positionne quand même dans une table, dans une grande soirée de la diaspora. C'est incroyable. C'est incroyable. Expliquez-moi. Comment une femme qui touche le RSA, qui habite dans un HLM, se retrouve dans une table de 1500 euros. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans sa tête? À un moment donné, nous, on n'est pas venu en Europe pour faire la concurrence avec les autres. Nous, on est venu en Europe pour donner un avenir meilleur à nos enfants et se dresser au pays, on rentre. Nous sommes ce qu'on appelle une génération des sacrifiés. Ça veut dire que le jour où on va finir de travailler en Europe, quand on rentre au pays, on va mourir 10 ans plus tard. Moi, quand quelqu'un me dit que je travaille pour ma retraite, quand un noir me dit que je travaille pour ma retraite en Europe, je rigole. Je rigole. Pourquoi je rigole? Si tu as déjà tapé tes 2-3 maisons au Cameroun, tu as ton, si tu as tes investissements au Cameroun, la retraite en France te sert à quoi? La retraite en France te sert à quoi? Dans 10 ans, les Blancs vont quitter en Europe pour aller se soigner en Afrique. Dans 10 ans, les Blancs vont quitter en Europe pour venir se soigner en Afrique. Comment une femme comme la veuve RSA, la veuve joyeuse, qui n'a pas payé son loyer, elle a au moins 3-4 mois d'arrivée de loyer, qui touche le RSA, se retrouve dans une table de 1500 euros. Vous qui l'invitez dans des soirées comme ça, vous ne vous voulez pas du bien. Après, se retrouve encore dans sa même galère de tous les jours. Il faut qu'elle aille payer la nourriture avec les bons que les assistants sociaux lui donnent. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est la diaspora. Ça, c'est la diaspora. Parce qu'il faut qu'elle montre comment elle arrive quelque part. On voit aussi qu'elle est assise dans une table. Elle aussi, elle est assise dans une table. Elle va se la raconter. On va dire que, oh non, elle était à la soirée. On voit des Mboudman comme les Djukambindo. Voilà encore une autre. Des Mboudman comme les Djukambindo. Incapable de trouver une maison à son nom. Depuis 15 ans en France, il traîne de sous-location en sous-location. De sous-location en sous-location. Il se la raconte avec les maisons des gens. Les maisons des gens. C'est celui-là qui va se lever. Il va se pointer dans une soirée. Au lieu d'aller se pointer chez les assistants sociaux pour qu'on lui trouve ne serait-ce qu'un studio où il peut être capable de montrer comme ça que oui, voilà aussi le chez moi. Il est incapable de montrer le chez lui. Parce qu'il n'a pas de chez lui. Il est de sous-location en sous-location. Demandez-lui la quittance de loyer. Demandez-lui la quittance EDF. Si son nom apparaît, son nom n'apparaît pas. Il est toujours en sous-location. C'est lui que vous allez voir dans les soirées africaines en train de poster, en train de montrer que non, oui, moi aussi j'ai réussi. Tu as réussi dans quoi? Tu as réussi dans quoi? Quand tu te poses dans une soirée africaine où tu as payé 200 euros de contribution pour la table, entre temps, toi-même, tu es en sous-location. Les 200 euros là, tu peux donner ça à un agent. Et on te cherche une maison, même en 3e, 4e zone, même un petit studio comme ça. Tu gagnes 1300 euros. On peut te chercher un petit studio en province avec les allocations, avec les allocations APL. Non, tu préfères te retrouver dans une soirée où tu vas te mettre à narguer les gens. Oui, je suis à la soirée. Moi, Amer Kamé, c'est là où Amer Kamé vous dépasse vous tous. C'est là où Amer Kamé a un background européen. C'est là où Amer Kamé vient vous dire que lui n'a pas l'argent pour aller dans les soirées. Je suis le premier influenceur homme chez les Camerounais. Mais si moi, en tant que premier influenceur, je viens vous dire que je n'ai pas l'argent pour aller dans les soirées, toi, et en plus, quand il dit que je n'ai pas l'argent pour aller dans les soirées, j'ai mon studio à Brive, à mon nom. J'ai mon studio à Brive. Je vais pointer aux allocataires, quand ils voient que non, l'assistance sociale a pété peu de gens, que l'assistance sociale a ouvert une ouverture de frappe, bam, j'entre là-dedans.
Quand je m'en vais voir l'assistant social, je m'habille comme quelqu'un qui est comme un game man. J'arrive sur la, non, j'habite chez les gens. Non, on dit que oui, bon, mon fils, oui, ah oui, comme monsieur, mais monsieur, mais monsieur, moi, on m'appelle pas là-bas, monsieur, mais monsieur Simon, il faut quand même chercher le travail. Madame, j'ai cherché le travail, ça ne passe pas. Mais vous voyez comment c'est dur, quand il parle, il ne me prend pas. Oui, bon, monsieur, mais on va pas vous donner les bons tous les jours. Oui, monsieur, je fais comment, je suis pas. Oui, et en plus là où j'habite là, c'est quelqu'un qui m'a seulement donné pour que moi-même j'habite là. Je tue le charisme, je tue le polo, je laisse comme ça, je me mets en mode, c'est-à-dire que en mode de mon go pro max. Une fois que la femme a déjà donné mes bombes de réduction là, bam, elle m'a donné, bam, quand je sors, il met dans la poche. Je viens de faire économie de 400 euros par mois. 400 euros par mois d'économie que je viens de faire là, super, bam, dans la poche. Quand je m'en vais payer chez Netto, j'ai d'abord un bon de 50% de réduction sur tout ce que je paye dans le magasin. Oui, les boîtes de conserve, je paye les boîtes de conserve. Toutes les boîtes de conserve, je les paye à 90 centimes. Des boîtes de conserve qui coûtent 1,20€, 1,30€. Parce que le ticket que l'assistance sociale m'a donné me permet de game dans le game là. Mon frère, économie pro max. J'aligne avec 100€. Je mange le mois. 100 euros que toi tu as enlevé pour aller boire une bière en boîte de nuit là, moi des 100 euros là, je mange ça le mois. Avec mon ticket de l'assistance sociale, je ne paye pas le transport en commun. Ça veut dire que toi et moi, toi tu as payé ton transport à 150 euros par mois, chez moi c'est un job. Et pourtant que je gagne plus que toi dans les réseaux sociaux. Si Facebook ne me coupait pas ma monétisation, c'est que je ne suis pas en train de demander aux gens que aidez-moi à payer ma formation VTC. C'est-à-dire que malgré le fait que je gagnais mes 10 000 euros il y a 5 mois sur Facebook, j'allais pointer pour ramasser les bons d'économie là. Je ne blague pas, je suis venu chercher l'argent. Toutes les occasions d'ouverture ou pour je peux tomber, bam, je bombarde là-bas. Et je ne discute avec personne. Si je n'ai rien à m'habiller, je m'en vais au secours catholique, je ramasse les habits que les gens posent là-bas, ils portent ça, ils m'en vont au workman. Je suis venu chercher l'argent. Règle numéro 1 en bête, je vis pour moi et non pour les autres. Si moi, à mer, le blogueur qui a gagné d'adresse chargée, je vous montre ce que c'est que le vrai bain, vous blaguez. Si moi, je n'ai pas, si moi, quand j'arrive à Paris, les gens refusent que je dorme chez eux, je dors dans ma propre voiture. On vous a dit que je n'ai pas l'argent pour aller payer l'hôtel. Quand vous me regardez comme ça, là, on vous a dit que je n'ai pas l'argent pour payer l'hôtel. J'ai l'argent pour payer l'hôtel. Mais c'est un message que je vous passe. Si tu as ta voiture, pourquoi tu perds le temps? Deux nuits à Paris, ça va te tuer. Paye ton sac de couchage 45 euros. Si je paye le sac de couchage à 45 euros, et que je fais deux nuits dans ma voiture, j'économise combien? La nuit de l'hôtel à Paris, c'est 150 euros. Ça veut dire que je viens d'économiser 250 euros pour deux nuits à Paris. Tu as été rivalisé avec moi. Je m'en vais me laver à 1 euro dans les stations de lavage. Là où on lave les stations de garage. Là. Vous allez vous mettre 1 euro, pap. Vous avez 5 minutes. L'eau sort pendant 5 minutes. Oui. Tu as rangé ta chambre? Oui. Tu es sûr? Oui. Je ne sais pas contre, tu as rangé ta chambre. Oui. Moi j'étais dans ta chambre, je n'étais pas rangé. Moi je range ma chambre. Va vérifier c'est bien rangé. Hein? Tu plies tous les affaires. Tu disais ces deux lits. Hein? Tu disais ces deux lits. Hein? Tu as compris? Oui. Ok. Non, pardon. Hein? Mon calendrier. Ok, vas-y alors. Tu prends le calendrier, ben tu veux prendre les chocolats dans le calendrier. C'est le chocolat que tu veux prendre là. Oui, il y a tout ça comme chocolat. Mais est-ce que tu es en train de prendre le calendrier? C'est la date d'aujourd'hui. Tu ne veux pas le chocolat, tu me dis que tu veux prendre le calendrier. Bon, prends un seul chocolat. Tu m'as dit de prendre le chocolat. Il faut prendre le petit chocolat là, c'est ce que tu t'aimes comme ça là. C'est un seul. Ok. Les enfants là pensent qu'ils vont faire le banditier. Ils ont le bébé qui veut les ramasser le chocolat, mais ils disent que non, ils vont voir le calendrier. Donc, continuez. Vous pensez que c'est quoi juste?
Ce que vous, tu vois en bête, c'est que vous avez mis vos yeux chez les gens qui sont dans les soirées là, les grandes soirées là. Vous les voyez dans les soirées avec les vestes des gens, les pantalons des gens, les sacs des gens, l'argent des gens, le whisky des gens. Ils sont dans les soirées là-bas, ils vous font voir ce que vous voulez. Vous restez aussi comme ça là, vous voulez les comparer avec nous. Il a les douches municipales là-bas. Non, c'est pour éviter les douches municipales, non. Et que moi, quand moi, je dors dans ma voiture, je m'amène à une station, je mets 1 euro là, pam. On te donne le. Ce sont les trucs de 1 euro. Tu mets comme ça, pam, tu entres dans un truc, tu te laves, tu as 5 minutes pour te laver, tu te laves là, tu finis, tu continues ta route. Vous parlez de quoi? Non, c'est une manière de vous dire que ne confondons pas, soyons économes. Pour être économe dans la vie, tu dois vivre pour toi-même. Tu dois vivre pour toi-même. On ne va pas vivre dans une diaspora. Vous voyez les gens avec les paillettes. Vous voulez les comparer avec les nous. On va voir quelqu'un va venir raconter avant que, oh, Amen, Kamen, toi, tu es qui? Tu vas venir comparer quelqu'un avec moi. Man. Amen, Kamen, que tu vois là, c'est un prototype. C'est un prototype. Quand les hommes du pays, quand les hommes forts du pays arrivent à Paris, ils cherchent qui? Amen, Kamen. Quand les hommes forts du pays arrivent, on cherche qui Amen Kamen. Parce que tous les deux mois, je fais un rapport. Ah oui. On ne cherche pas les autres. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Amen Kamen, c'est un gars vrai. Il n'est pas dans le tourné-tourné. Tourné-tourné. C'est Paris, c'est dormi, je fais la Paris qui me dépasse. J'ai les gens qui tombent à Paris plein. Mais il y a d'abord ce qu'on appelle la dignité de l'homme. L'homme doit d'abord être prêt pour lui. Quand j'arrive comme ça et que j'appelle quelqu'un que quand tu habites à Paris, non, quand je suis loin. Je prends ma voiture, casse-moi, je m'en vais dans un parking, les parkings chauffants là. J'entre là, j'en parle, je tire mon truc là, je dors une place. Je dors une place. C'est mon frère. Quand je suis dans mon village, dans mes forêts, je dors par terre. Quand il dort dans ma voiture, maman dormir dans la voiture, c'est un luxe. Si moi, dans mon propre village, en plein forêt, en plein campement, en forêt, je dors dans un petit matelas comme ça, c'est dormir dans ma voiture, mais dormir dans ma voiture, mais c'est un luxe énorme. C'est un luxe énorme. Pour vous qui nous regardez là, pour vous qui regardez les soirées parisiennes là, ce sont des soirées d'escrocs. Ils sont là tous les jours, vous les voyez avec des gros cigares. Mais quand vous voyez quelqu'un avec un gros cigare, demandez-lui aussi de montrer le boulot qu'il fait à côté. Demandez-lui de montrer le boulot qu'il fait à côté. Là, on va rire. Demandez à beaucoup de gens qui sont en live que montrez-le chez vous. Vous allez rire. Parce que la plupart de ces gens qui sont dans les soirées, ce sont des voleurs, des bandits, des escrocs. Vous les avez déjà vus en train de travailler un jour. Pourquoi ils ne montrent pas leur travail? C'est bizarre. Demandez-leur de montrer leur travail. Vous allez rigoler. Celui que vous appelez, oh le champignard, oh le champagnard, vous allez trouver que tout ça c'est qu'on fait comme dans la vie. Vous savez ce qu'il fait dans la vie. On va vous dire que non, il trie les colis. Oh, tu attends, oh le pétrolier, oh le boss des boss. Il faut voir la vie. Non, il est agent de sécurité. Parce qu'ils ont honte de leur vie. Parce qu'ils ont honte de leur vie. Leur cible, c'est les gens qui vivent en province. Leur cible, voilà pourquoi les gens qui vivent à Paris sont dangereux. Les gens qui fréquentent ces soirées sont dangereux. Il passe le temps à draguer nos soeurs qui viennent de la province. Je suis encore chez les hommes. Quand il va tomber chez les femmes, ça sera le vélélé. Je reste encore chez les hommes. Il faut les voir. Elle marche avec des valises à main. Il faut les voir. Il marche partout là. Moi, j'ai ma voiture. Sans attache. Je sais que je dors. C'est-à-dire que moi, avant d'appeler quelqu'un pour lui dire est-ce qu'il peut venir dormir chez toi, j'ai d'abord un premier domicile, c'est que c'est ma voiture. J'ai un deuxième domicile, c'est que là où je suis sorti de ma province là-bas, j'ai laissé mon studio là-bas à mon nom. Je sais que même si c'est comment, je vais rentrer, je sais là où je vais dormir. J'ai d'abord établi les règles de base. Dans ma voiture, j'ai toujours mes 10 boîtes de conserve. En cas de qu'est-ce qu'il y a, ma boîte de conserve est là-dedans. Ça ne peut pas me mentir. Quand j'ai envie de réchauffer ma boîte de conserve, je démarre le moteur de la voiture, j'ouvre le moteur de la voiture, je démarre, je casse ça là comme ça à côté de la batterie, je ferme, je chauffe là. En 2 minutes, ma boîte de conserve est déjà chaude. Je tue le moteur, je prends, j'ouvre, j'actionne ma boîte de conserve. Et je conseille même aux gens de manger la boîte de conserve étant froide. Parce que quand tu manges une boîte de conserve étant froide, tu développes une certaine, tu développes beaucoup de choses. Voilà. Vous pensez que quoi?
À un moment donné, vous aimez toujours vivre parce que vous avez vu l'autre. Oh, tu as vu un ami. Oh, tu as vu un ami qui était à la soirée. Oh, celui-là, c'est qui? Mon frère, tu sais comment il a fait pour arriver à la soirée là? Regardez ce qui est tombé hier. On nous raconte que la moitié des gens qui étaient invités ont loué que les... C'est-à-dire que la moitié des gens qui étaient invités à la soirée ont pris que le crédit sur les tables. Ils ont pris que le crédit sur les tables de 1000 euros. Crédit, crédit. Moi-même, quand même, je n'étais pas là. Ça, je n'ai vu dernière personne. Je n'ai vu dernière personne. J'arrive à Toulouse. Je prends mon téléphone. Yann, c'est comment tu es où? Bon, je viens d'arriver à Toulouse. Il y a moins de monde chez toi. Ah, ok. J'arrivais chez Yann à Toulouse. Je sais que sa femme m'a préparé. Je mange pour deux jours. Je mange pour deux jours. C'est-à-dire que je mange le genre qu'il n'y a même pas l'espace pour boire l'eau. Il n'y a même pas l'espace pour boire l'eau. Je sais que quand je mange chez Yann, j'ai pointé aujourd'hui, j'ai pointé demain. C'est comme ça qu'on vit. Quand tu es venu chercher l'argent, tu te mets en mode économie d'énergie. En mode économie d'argent. C'est-à-dire que partout où tu arrives, tu installes le protocole d'accord. J'arrive dans une ville. Mon budget dans la ville, c'est 50 euros. Je connais qui dans la ville, dans mon carnet d'adresse, je cherche. Merde, je ne connais personne dans la ville, c'est chaud. Hein. Je regarde à côté. Et s'il y a quelqu'un qui habite dans la zone, je regarde dans la zone. Bam. Si je vois qu'il n'a trouvé personne, je mets l'annonce sur ma page Facebook, je suis dans telle région. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là qui peut m'héberger? J'ai déjà positionné mon protocole. Je ne manque pas. Ce sont les relations que j'ai dans les réseaux sociaux. Je me sers de ça si ça peut me faire économiser l'argent. Ce n'est pas comme le grand mec. Non. Je vais dans d'abord. Je repose mon cerveau. Et je suis fort dans les réseaux sociaux parce que je ne sais pas avoir honte. Je ne sais pas. Voilà pourquoi je suis puissant dans les réseaux sociaux. On peut trouver un mec en train de ramasser la poubelle à gauche là-bas pour prendre son argent. On retrouve le même Amer Kamé dans un studio de radio. On retrouve Amer Kamé dans une grande soirée. Parce qu'Amer Kamé est un caméléon temps plein. Personne ne va jamais dire que oh, Amer Kamé. Je n'ai jamais dit que je suis propre. Je n'ai jamais dit que je suis propre. C'est eux qui sont propres là-dehors. Vous voyez les gars là-dehors. Il fait quel travail pour venir prendre une bouteille de champagne, une table de champagne à 1500 euros. Il ne fait pas comme travail. Ce n'est pas le vol, l'escroquerie. Aujourd'hui, même les tchamans ne sortent plus. Les tchamans ne, et le tchat ne paye plus. Même les villes ne passent plus. Même les villes ne passent plus. Il y a une autre forme de frappe là-dehors. Mais pour intégrer les gens de frappe là, il faut passer un procédé de confiance. Le tchat ne passe plus. Le ville ne passe plus. Et même quand tu fais le ville là, le temps d'aller commander, donc pas, ils ont bloqué le compte. Soyons réalistes, soyons vrais envers nous-mêmes. Moi, je suis à Amer Kamé. Les hommes que vous voyez dans les soirées camerounaises, là, c'est des bandits, des escrocs. Leur cible, c'est les pauvres filles qui viennent de province. Quand tu arrives en province, ils sont dans le 17e, dans le 18e. Ils mangent seulement à crédit. Ils mangent seulement à crédit. Je ne mens pas. Demandez. Faites un tour dans le 17e vers le coup de 22h. Paye une bouteille de whisky, pose sur ta table. Les gars vont boire ta bouteille de whisky, tu ne vas même rien boire. Parce qu'ils passent leur temps à se balader avec les vieilles vestes là. Vous le voyez quelque part, il est toujours à Pam avec un cigare. Quand il te voit quelque part, il sort ça de l'emballage, il tape à côté, il veut manger, il veut se la raconter devant toi. Il va venir, il va s'asseoir. Petit frère, c'est comment? Tu ne me connais pas? Tu n'as pas encore entendu parler de pétrodollar? Pétrodollar, c'est moi. Ouais, le diamantaire, c'est moi. Petit tombeur, je contrôle. J'ai les sociétés de sécurité un peu partout. Tu poses la boîte, tu poses ta bouteille de whisky, le gars sirote la bouteille de whisky. Tu dis, merde, le gars, c'est comment? En passant, il te taxe encore 20 euros. Tu dis que, hey, c'est pas le gars, c'est qui? Et c'est comme ça, alors qu'il baigne les femmes qui viennent de province. Vous savez, les femmes qui viennent de province, là, les femmes qui se la racontent, là, elles vont me dire qu'elles sont avec les Parisiens. Elles vont aussi monter dans le mouvement de Paris. Voilà les femmes qu'on chicote tous les jours. En plus, qu'on escroque l'argent, on leur refile un petit maladie en passant. Parce que les gars, là, font comment? Il faut que je vous explique comment les gars, là, fonctionnent dans les soirées. Ils vont d'abord payer leur champagne. Les champagnes que vous allez voir dans une table, il y a peut-être 15 bouteilles de champagne. Là-dedans, les 15 bouteilles, il a payé sa bouteille, son charge. Il n'a même pas payé son ruinard. C'est-à-dire qu'on a volé le ruinard, on est venu le vendre ça. C'est-à-dire que la bouteille de ruinard, il a payé la bouteille de ruinard à 10 euros, à 15 euros. Parce que le gars qui a volé la bouteille de ruinard, c'est un toxico. Donc on est venu le payer, on est venu le vendre 10 bouteilles de ruinard à 50 euros. Il va prendre les 10 bouteilles de ruinard là.
Il va voir l'organisateur de la soirée. Il dit, grand frère, pardon, j'ai 10 bouteilles de runa qui a envie de jouer un jour là. Bon, on va faire ça, 200 euros, calme-moi, je sais que c'est pour mon bruit, non. Le gars va dire que non, gars, j'ai la bouteille, gars, tu ne vends même pas. Gars, laisse-moi prendre, laisse-moi boire mes 5 bouteilles de runa, voilà 200. C'est-à-dire que tu donnes 200 euros, je viens boire mes 5 runa. Gars, fais-moi comme ça, on a entre nous, non, tu sais, les personnes. Comme il fait ça dans toutes les soirées. Voilà donc pourquoi il va se retrouver avec 5 bouteilles de runa qu'il a payé à 10 euros. C'est-à-dire qu'il allait le payer d'abord 50 euros. Il vient de négocier la table. Le monsieur lui dit que j'accepte de prendre 200 euros à condition que tu me remplis la table là. C'est-à-dire que dans la table de 200 euros que tu viens de te donner, dans les 200 euros que tu viens de prendre là, tu as tes 5 bouteilles de runa. Mais comme la table, c'est une table de 8 personnes, je te donne encore 3 tables. Donc, trouve 5 personnes pour compléter pour que j'accepte tes 200 euros. Voilà comment le gars de la table donc va entrer maintenant dans le marchandage. On a décimé. On a déjà mis. Voilà donc comment il entre dans le marchandage maintenant. Allô, oui, gars, c'est comment j'ai pris une table là-bas. Oui, tu me connais donc. Oh, moi, c'est Don Dola. Tu me connais. On m'appelle Don Dola. J'ai pris une table à 3000 euros là. Mais bon, tu sais que comme j'ai un gars que je connais. Donc, si tu veux entrer dans ma table, tu me donnes 250 euros. Bon, il va être à l'école à pépiter. Non, 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 tu peux pas 250 euros, mon frère. Une table de 13 personnes. Mon frère, il y a 15 bouteilles de runa. Il tape la calacou comme ça, là. C'est comme ça qu'il prend l'argent sur une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Il ramasse l'argent, il vient donner à la personne qui organise. Maintenant, il est là dedans avec ses trois places. Avec ses 5 bouteilles de runa. Tu le vois là-bas. Maintenant, vous portez la veste. Pour avoir l'ensemble, il y a beaucoup de magasins là à Barbès. Quand tu as mis ta vie pour aller dans une soirée, c'est 100 euros. Quand tu es abonné, on te fait même le prix à 75 euros. C'est-à-dire que tu t'habilles, on t'habille de la tête jusqu'au pied. Tu finis, tu t'habilles, tu fais le bruit à la soirée et tu deviens le maître des habits là. C'est 100 euros la location. En fonction de la qualité maintenant que tu veux, on augmente le prix. Mais ils ont encore un truc qu'on appelle le flash. C'est-à-dire que ce sont les habits chinois de fausse collection qu'on te donne pour que tu te fais, que tu présentes seulement ça là le jour de la soirée. Quand tu finis seulement, tu viens le mettre. C'est les fausses collections. Voilà pourquoi la plupart des gars, maman, mais je vais s'habiller avec toi, on va pas le défiler, Dior de l'autre côté. La vie qu'elle est, c'était. Non, maman, ce n'est pas pour elle. C'est qu'elle a prêté le faux du faux. Elle a prêté le faux du faux. Voilà comment donc le gars se retrouve à la soirée en ayant prêté le petit sac à main. La veste, la chaussure, plus le champagne. Toi, tu arrives maintenant, tu es un bootman. Tu arrives maintenant là-bas, tu es un bootman. Tu vois le gars, il a assis quelque part, il sort le champagne. Tu restes comme ça, là. Tu te dis que mais, c'est pas le gars là qui fait la sécurité chez Decathlon. Merde, il est sans gars. Tu regardes, mais c'est le même gars. C'est le même gars qui fait la sécurité chez Decathlon que tu as de voir là. Mais comme les gars, elle disait Promar, tu ne peux plus nommer que c'est lui. Parce qu'il a mis les lunettes noires. Il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Il a mis les lunettes noires. Il a mis la casquette, il est là comme ça. Là. Non. Gars, je te nomme quelque part, mon petit. Tu me nommes quelque part. Tu as fait. Non, là, c'est Jakarta. Non. Dubaï. Non. Ils ont leur ville. Leur point commun, c'est que c'est leur ville. Et ne sont pas là les petits. Tu as l'impression que, oh, les Jakarta, oh, les Singapour, oh, les Dubaï, oh, les Paris, oh, les New York. Non, peut-être, tu ne le. Je te donne peut-être à DC. Mon frère, il te dit qu'il est aux États-Unis tous les jours. L'anglais qui sort de sa bouche, c'est la magie, c'est la mort seulement. L'anglais qui sort de sa bouche, c'est un autre niveau. Et c'est ça, on va venir comparer les gens avec moi. Quelqu'un va rester comme ça. Oh, Amé Kamé, le chant m'a dépassé. Oui, le chant m'a dépassé. C'est qu'est-ce que mon chant est là? Oh, mais quand même, tu dois d'ailleurs matelas par terre. C'est mon matelas. J'accepte. Il n'est jamais donné. Ah, mais quand même, tu as conçu le calabot. C'est mon calabot. J'accepte. C'est mon calabot dans mes terres, dans mon champ. C'est pour moi. C'est qui est sûr. Je ne mourrai jamais de faim. Ça, c'est clair que c'est ça. Oh, mais quand même, ton poulailler avec tes trois poulets là, c'est pas grave. C'est mon poulailler. C'est qui est sûr. C'est pour moi. Quand je faisais, c'était devant vous. On ne va pas dire qu'Amer Kamé, non. Pour Amer Kamé invisible, on insulte Amer Kamé parce que pour lui, on voit. Celui que tu valorises là, Capitaine Dollar, Tom Dollar, Diamantaire, et Petrolar, vous qui les idolâtrez là, vous savez ce qu'ils font. Je suis en train de démontrer, mais en train de frapper leur exosol. C'est ça la vérité au juste.
Donc quand vous venez, vous dites que, oh Ahmed, Ahmed, oh Ahmed, Ahmed, oh Ahmed, Ahmed, tu es un pauvre, j'accepte. Ahmed, Ahmed, tu manges les bois de concert, j'accepte. C'est que celui-ci ça rentre dans mon ventre. Maintenant, entre celui-là maintenant, qui a déjà déployé son sa force de frappe sur la table, tu viens dans une table, tu vois que le gars a 15 bouteilles de ruina, tu dis, merde. Et tu te lèves pour aller te lancer dans la même soirée. Tu te lèves pour aller te renseigner sur la bouteille de ruina. Tu pars, s'il vous plaît, la bouteille de ruina, c'est combien? 400 euros. Tu prends la calculatrice. 15 bouteilles de ruina, 400 euros. 10 bouteilles de ruina, c'est 4000. Mais 6000 euros sur la table. Le gang est fort. 6000 euros sur la table. Le gang est fort. Et voilà maintenant comment le exé vient de dire. Tu viens de calculer que sur la table du gars, il y a sur sa table au moins 10 000 euros d'alcool. Le Mboudman. Après maintenant, les petits tindas se lèvent. Gars, tu as la table de ton dollar, tu as la montre, le gars là est lourd. Je suis pas ça, le gars était à Jakarta. Non, le gars là a eu un argent. Parce qu'ils sont toujours là. Ils ne disent jamais que j'ai. Ils ont eu un argent. C'est-à-dire que lui, son argent, c'est ce qu'il avait eu avant. Mais le avant, là, c'était quand? Parce qu'avant, on ne le connaissait pas. Vos richesses sont comment? C'est quand c'est passé, quand on dit qu'on avait, ou bien on parle d'abord. Votre richesse. Parce que pour nous, là, quand on nous insulte, c'est qu'on voit d'abord. Hein. Quand on nous insulte, là, c'est que nous, là, on voit pour nous. Hein. Voilà. On discute, oh, oh, oh. Il y a une qui vient me poser une question là. Il y a une qui vient d'écrire. Attends. Il y a quelqu'un là répondu. On a répondu à quelqu'un là. Attends. Quelqu'un a répondu. Tu insultes les autres, pourtant tu vis chez une femme que tu connais à peine. Tu parlais d'Oshiga. Donc on va venir sur le cas d'Oshiga. Ma chérie, Oshiga a son argent, premièrement. Elle habite en plein Paris, deuxièmement. Elle work, troisièmement. Ça veut dire que tu me dis que tu pars chez une belle maman. Si elle drague là à midi 2, je suis chez toi. Je suis chez toi. Parce que vous aimez toujours. Ça veut dire, on va faire une parenthèse. Parce qu'elle a posé une question que, oh, à peine tu connais, tu pars dormir chez toi. Quand on m'avait mis dehors là, Koshiga m'avait mis dehors là parce que je suis allé dormir 2 jours dehors. J'ai fait 3 jours dehors. Est-ce qu'une fille est venue me dire quand même, viens habiter chez moi? Aucune. Aucune fille n'a dit quand même, viens. Et pourtant que j'étais dehors en plein Paris. C'est là que je me suis rendu compte que dans toutes les filles, dans tous les Camerounais qui disent qu'elles habitent Paris, elles n'habitent pas Paris, ma. C'est là que je me suis rendu compte que les filles n'habitent pas Paris. J'entends seulement là, derrière Sarcel. J'entends seulement là, derrière Sergi Pontoise. Tu prends la carte, tu cherches, tu vois comment tu sors derrière Paris. Tu mets là le jeu pendant que 60 km. Que, hey. Tu vois, ma petite. Là, tu es en train d'insulter Oshiga. Que je suis allé habiter chez maman, elle habite en plein Paris. Quand elle me réveille, c'est voilà, tout est fait. Ma, tu as mal où? Sortir avec Oshiga, ça veut dire que j'ai percé. Je suis quitté de dormir dans la voiture à l'habiter chez Oshiga. Mais le percement de ça. Hein? Oui. Et c'est en habitant chez Oshiga que je me suis dit que merde. Le VTC va payer ici. Voilà comment en habitant dans Oshiga, j'ai dit que non, je suis en train de faire une formation. Je veux faire une formation VTC. Je me suis renseigné. Donc, si vous pouvez contribuer sur mon PayPal que j'ai posé là sur Facebook, contribuez sur mon PayPal. Je m'en vais faire ma formation VTC. Je n'ai pas encore les dos. Parce que si j'avais les dos, vous me connaissez, vous allez vous dire que j'ai les dos pour faire la formation. Voilà pour le PayPal que j'ai posé là. Et ceux qui ont le plus de renseignements, ils viennent parce que le devis que l'autre m'a envoyé, c'est 1035 euros. Le devis que Cameron m'a envoyé. Parce qu'on m'a envoyé avec un devis précis. Moi, quand il parle, je ne manque pas. C'est parce que le téléphone, c'est sur. Même si Kamo était connecté, là, il vous dit. Moi, je ne connais pas mentir. C'est la force de la mère, Kamo. Je ne suis pas dans le mensonge. Quand ça appuie sur moi, il va vous dire que ça appuie sur moi. Quand c'est bon, je vous dis que c'est bon. Donc, en habitant dans Oshiga, je me suis rendu compte qu'en faisant le VTC, ça peut me rapporter minimum 5 000 euros par mois.
Bon, maintenant, alors, étant donné que je suis le premier influenceur camerounais, voilà donc mon PayPal que j'ai mis que aidez-moi donc à payer ça. Simple comme bon, je vais aller mentir pourquoi? Je vais mentir pourquoi? Pourquoi vous voulez que je vous mente? Mais quand même, ne sait pas mentir. Quand j'ai fini, je continue mon travail que je fais tous les jours, c'est draguer. Donc, ma chérie, elle continue, non? On continue. On revient maintenant sur nos jet setters camerounais, nos jet setters africains. Voilà donc comment maintenant, pendant que tu as vu la table du gars, tu as évalué que le gars est dans une table de 10 000 euros. Sauf que dans la table de 10 000 euros, la réalité c'est qu'ils vont seulement consommer 50 euros. La réalité c'est qu'ils vont seulement consommer 50 euros. Voilà pourquoi, dans les soirées, jusqu'à 5 heures du matin, certains. Tu as oublié que Oshigare Bamileke, je ne vois pas le rapport dans le cul de ta mère. Je ne vois pas le rapport dans le cul de ta mère parce que tu m'as dit que tu as oublié que Oshigare Bamileke. Où est le rapport alors? Emma. On continue. Voilà donc comment l'ombudsman qui passe, il voit une table de 10 000 euros. Il oublie que dans la table de 10 000 euros là, il y a 5 bouteilles de de Chivas ou bien de Runa à l'intérieur qui ont coûté 50 euros seulement. Voilà donc comment les papiers qui tournent toujours, les followers à deux balles, tête de con, Jean du Cambito. Voilà pourquoi les autres followers vont passer donc à côté. Ils vont faire, tu as la table de ton dollar là-bas, mon le gars est à Jakarta, mon frère, le gars a rempli la baisse de l'argent partout, partout. Massa. Et ils ont encore quelque chose que j'avais oublié de vous dire. Il marche avec les faux billets de 100 et de 50 euros qu'on paye sur Internet. Parce que pour ce qui les gens oublient quelque chose, on paye la fausse monnaie sur Internet dans ce qu'on appelle le dark web. Vous entrez dans le... il ne faut pas que j'explique quand même, mais je vous dis. Vous entrez dans le mot que je viens de vous dire tout à l'heure. Le DW. Vous entrez dans le DW, vous commandez tout ce que vous voulez. Vous, on peut vous vendre... Le cas, premier choix, deuxième choix, troisième choix. On te vend un billet de 100 euros là-bas à 10 euros. La plupart des caméras qui sont là les soirées connaissent ça. Voilà comment vous allez voir donc les gars. Avec une liasse de 100 euros, un paquet comme ça, là, il a payé ça. Il a payé le paquet de 100 euros depuis peut-être 2 ans, il n'a pas le même paquet. Quand tu vois, c'est les vrais billets. Quand tu touches, c'est le vrai billet. C'est quand tu mets le collecteur dedans que ça te marque que c'est un billet qui est chacalisé. Oui, je vais vous développer, je vais vous montrer toutes les techniques d'appâchage que les gars ont. Tu vois le gars comme ça, il est là, il vient devant l'artiste, il tape à terre, on dit que non, il plaît, il prend l'argent. Oh, le Jakartaïen, oh, le Dubaïen, le pétrolien, le Saoudien, le gars ne fait que taper, tac, quelle est la fausse monnaie. N'est-ce pas que tu as vu ça, non? N'est-ce pas que la petite Waka, la petite Zenzen de province qui a vu ça, elle arrive donc. Elle dit que ça, c'est le genre de gars que je veux. Ça, c'est le genre de gars que je veux. Voilà comment le gars te prend. Il t'amène à l'hôtel. Tu es sûr que le gars, là, il commence à avoir parti dire que ma petite, tu sais que c'est une chance que je donne pour sortir avec toi. La fille dit que oui, c'est une chance. Oui, c'est vrai. Parce que la fille, elle a le Dubaïen, le Jakarta. La fille, quand elle. Quand elle fait ses petits comme ça, le gars ne fait que gonfler comme le tapioca. Elle dit, tu sais que c'est une chance qu'elle te donne. Non, le gars est en train de centraliser. Là, tu aussi pour montrer aussi que non, elle est à l'aise, elle prend son sac, elle pose. Qu'est-ce que le gars fait d'abord? Il flanque d'abord la carte bleue de Langa. Pendant qu'elle est en train de tout mal Langa, la carte bleue de Langa est en train de walk avec les tchatchaman. Oui. La carte bleue de Langa est en train de walk avec les tchatchaman. Parce qu'en passant, c'est Langa qui paye l'hôtel. Une fois que la carte bleue, pendant qu'il y a sa carte bleue tourne, qu'est-ce qu'il frappe encore le kaolo de Langa? Parce qu'on vend les kaolo. Vous savez qu'on vend les kaolo. On vend les kaolo, les vrais kaolo, on vend ça à 500 euros. Il frappe encore le kaolo de Langa. Alors, pendant qu'il y a Langa, le kaolo de Langa vient de partir. La carte bleue de Langa vient d'être flashée. Le matin, quand Langa se réveille, il dit à Langa que bon, attends, j'arrive là parce que j'ai un gars que je dois prendre le Dubaï. Tu vois, mon ami que. J'ai mon ami que tu as vu, là, qui Franco, oui, il arrive de Dubaï, là, il faut que j'aille le chercher. Est-ce que tu n'as pas les espèces sur toi, là? Je ne sais pas si tu peux avoir un petit 200 euros, là. C'est comme ça qu'il parle. Est-ce que tu peux avoir un petit 200 euros?
La petite villageoise qui sort de province. Oui, si. 300 euros, ça va. On demande 200 euros, la fille sort 300 euros. Pourquoi? Parce qu'elle a vu, elle, pendant sa tête, il y a les bouteilles de champagne, le garçon de Jakarta, il a que les choses. Parce qu'on a dit que non, j'avais 3000 euros hier, j'ai donné ça à l'artiste. C'est les artistes camerounais, ce sont les mendiants. Donc j'ai donné ça à l'artiste. Il parle comme ça, maman. Tu as l'impression que. Il dit que. Tu as l'impression que le gars là c'est un gars lourd de chez lourd. Tu as l'impression que le gars là c'est la magie. Tu as l'impression que c'est le hélélé du hélélé. Et pourtant que là où tu es dans un moro tout que tu ne peux même pas. Non. Le gars vient de finir avec l'anga. Les 200 euros que l'anga vient de lui dire. Rappelez-vous bien qu'il a payé la table de départ à 200 euros. Il vient de récupérer son argent. Il récupère encore l'argent des bouteilles de champagne que les autres buvaient. C'est ça les soirées parisiennes. C'est la vérité, c'est la face cachée de la jet set. Et c'est les salopards là qu'on va venir me comparer avec eux. Moi, je n'ai pas le courage là. Moi, je n'ai pas le courage là. Oh, amen, amen. On ne te voit jamais dans les soirées de Paris. Je m'en vais faire quoi là-bas? Je ne sais pas voler. Je ne sais pas vivre à crédit. Ma carte est au sol. Ma carte, c'est les boîtes de cassoulet. Ma carte, c'est les boîtes de conserve. Ma carte, c'est dormir dans les voitures. Ce n'est pas mon niveau là-bas, Tana. Oh, amen, amen. On t'a jamais vu dans une soirée parisienne. Mon frère, ce n'est pas mon niveau. Mon niveau, c'est là où je... C'est ça qu'on appelle un vrai. C'est ça qu'on appelle un garçon qui est bien, qui a les pieds sur terre. Pourquoi on dit qu'amen, amen, c'est le meilleur? Parce que sur la toile, il n'y a pas son lieu. Parce que sur la toile camerounaise, il ne tourne pas autour du pot. Il frappe la vérité, là, il passe plus, ça veut dire continuer. Voilà pourquoi je suis le king. Voilà pourquoi dans les réseaux sociaux, là, je reste inclashable, indétrônable. Tu vas me clasher sur quoi? Tu vas me dire que, amen, amen, je n'ai pas l'argent. Je vous ai dit, oh merci, ma chérie, oh merci, King Blood. J'avais oublié les objectifs. Hein. Il y a les objectifs, j'avais oublié qu'il y avait les objectifs. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, il y a les objectifs là. Pardon, remplissez les objectifs, s'il vous plaît. À l'heure là, ils sont en train de chercher l'argent mal. Pardon, on a visé. Je crois qu'il y a les donateurs là. Merci King. Oh, merci. Alors, quand nous. Oh, coucou, Kadim là. Oui, bombardez-moi les autres. C'est-à-dire que quand vous sentez que le gars est dans la. Oh, maman, oh. Puis pilonnez-moi, c'est maintenant, c'est dans TikTok. C'est la magie. Dans ça, explosé dans TikTok. Oui, merci, merci à vous. Merci les donateurs. Merci, ça fait plaisir. C'est pas que les mêmes. Les gars, c'est pas que les mêmes. Hein? Bombardez la donation. Donc, c'est comme ça. Maintenant, pour les filles, alors, bon, t'as poté. Oh, Dominique, thank you. Là, je sens que, oh, Kadi, Kanji Black, je sens que vous allez remplir ça maintenant. Il manque 5, c'est bien, merci les filles, merci, ça fait plaisir. Maintenant, pour les filles, c'est la mort. Pour les filles, c'est la mort. Je vais donner le nom de ces blogueuses-là. Elles sont là, hein? Vous entendez les noms. Voilà bourgeoise, voilà marquise, voilà ceci. Demandez à ces filles où elles habitent. Vous voulez rire. Ni ignorer. M'enlève bien balai. Demandez à ces filles de la jet set que chacun filme chez elles. La plupart des filles de la jet set que vous connaissez, la grande taille claire du pot, habillée en bleu, elles habitent Sergi Pontoise dans une chambre où il y a les lits en étage comme ça. Elles sont dans une chambre 4. Les cadres tombent le pépé. Elles n'ont pas de piole. Elles vivent de gars en gars, de gars en gars, de gars en gars. Ce n'est pas on a dit ce que j'ai supplié. Ce n'est pas on a dit ce que j'ai supplié. Quand toi tu viens dire que oh, tu n'as pas honte d'aller habiter chez Oshiga. Je suis allé habiter chez une fille. Elle dormait sur le lit en étage. Pougnasse langa. J'ai attendu que ses copines puissent vendre le piment. Ouais, c'était une vendeuse de piment. J'ai entendu que ses copines aillent vendre le piment. Une fille de la jeune, c'est que vous connaissez tous ces grands détails. Dans une photo, elle est habillée en bleu avec un petit sac noir. Oui, le petit sac noir, c'est marqué Céline. Allez taper sur Google, vous allez voir la photo là, elle est là. Si elle continue, je vais dire son nom. La fille me dit que oui, il faut passer à la maison, mais 14 heures, tu viens me chercher. La fille voulait abuser de ma voiture. Donc, quand je suis arrivé sur place, j'ai négocié un but. Mais quand je suis entré chez la fille, la maison a trois chambres. Chaque chambre, il y a lit en étage, lit en étage, lit en étage. Ils sont leurs habits dans une valise. Elles payent la chambre là à 350 euros. Elles sont dedans. C'est là où j'ai chicoté la gare.
dans un lit à l'étage deuxième niveau. C'est cette vérité-là qu'on ne veut pas vous dire. La même fille, elle me dit que, oh, Amen, Amen, tu penses de quoi? Si tu veux pas gâter mon nom, je m'en fous. De toute façon, tout le monde me connaît dans Paris, maman. Quand j'ai regardé la boule là comme ça, là, j'ai dit que merde. Dans la marquise, donc c'est comme ça que tu vis. Elle dit que, oh, elle me dit que tout le monde est dedans. Tu penses que les copines que je n'ai pas trouvées, elles font quoi? Actuellement, elles sont en clientèle. Elle dit que, hey, maman, elle me dit que tout le monde est en clientèle ici. Paris, c'est la tombe des. C'est là où j'ai compris la signification du mot Paris, c'est la tombe des géants. C'est-à-dire que le exil qui est à Paris, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est notre niveau. Et comment les filles fonctionnent, donc, vous allez voir. C'est beaucoup plus par le lien familial. Elles commencent comment? Elles commencent comme ça. Oui, elles appellent d'abord leur cousine qui est en province. Et la plupart de ces filles, de ces bordés, elles sont tous dans les tontines. Tu entends seulement une fille dans 4 tontines. 4 tontines, elle paye 1500 euros par mois. Tu dis, elle travaille même l'argent là comment? Elle travaille l'argent là comment, mon frère? Et c'est la même fille qui t'aime, qui m'insulte tous les jours. Non, ça dit que c'est déjà chaud. À partir du moment où c'est fait, et le moment t'as cru. Non, la vérité, ça chauffe le corps. La vérité, c'est comme ça, ça chauffe le corps. On commence maintenant par les filles. Vous allez voir les filles. Elles sont toujours dans les tontines. Les tontines de combien? 1000 euros par mois. 1500 euros par mois. Ceci, cela. Merci, Cardi Blanc. Merci, Cardi Blanc. Tapez dans les objectifs, s'il vous plaît. Tapez dans les objectifs. Les gars, chou 2021, tapez dans les objectifs. Loïc, tapez dans les objectifs. N'oubliez pas. Tout le carré à partir de 20 niveaux, 20 la montée. Une casquette chacun. Voilà, merci Candy Blanc, merci. Maintenant, on commence par les filles. Oui, il n'y a pas que Candy Blanc, les gars, lâchez-vous. Oh, 50% des objectifs atteints. Thank you, ma bibi. On commence encore dans cette histoire, donc. C'est là où vous allez rire. Oukoulou, la reine déchaînée, Candy Blanc. Je dis, abonnez-vous massivement chez Candy Blanc. Yeah, maman, la mort, c'est le maman. Tu es qui, Seigneur? La gola, tu es qui? Je dis que c'est ce qu'on a. Yann, arrête d'être la dernière. Même moi, les trucs là-bas. Je dis que Yann, amène-moi les trucs. Attends, je vais voir. Merci, Candy Blanc. Franchement, c'est super. Candy Blanc, King Bless, Dominique. Oh, que du loup. Attends, il est là-bas. Ouais, que BG, merci. Pokam, tu viens faire le jardin là-dedans. Yann, il faut que tu. Yann, regarde les paracétamol, les traits, sucre salé, les traits, 50 nuances, les traits, ils sont là, ils regardent. Ils sont là, ils regardent tous. Oh, mon diamant préféré, mon diamant brut. Oh, mon diamant brut. Oh. Les diamants de qui? Ah ouais, comme il y a prononcé, j'ai encore cherché les problèmes. Parce que chaque fois que je prononce ton nom, tu dis, oh, 60% d'objectifs à terre. Oui, on bomba, et ça là. Oh, Pando. Mets là-bas. Tous les jours, tu donnes seulement, tu vas donner quand? Hein? Je suis allé vous dire la magie. Eh, merci, Chou 21. Oh, Chou 2021. Tu es qui? Ouais, la femme. Ouais, il manque trois. Hugo de Lyon complète. Voilà. Mais ça, on appelle le gars est puissant. Voilà ce qu'on appelle la puissance des réseaux sociaux. La puissance, ça, on appelle la puissance. Parce que maintenant, je vais tomber dans le domaine des gars. Et je mets en alerte toutes les femmes des réseaux sociaux. Thank you. Objectif à terre. Merci. Énormément. Bon, qui va clôturer l'objectif? Allez, dernier. Je préfère que ça soit un homme. Pardon, les hommes, ne mettez pas la honte sur moi. Les gars, ne mettez pas la honte sur moi. Il y a un objectif. Pendant ce temps, oh, King bless God. Thank you, merci. Les hommes de la honte comme ça. Ils sont là, ils écoutent nos commentaires, mais ils ne veulent pas. On les éduque, mais ils ne veulent pas. Donc, on commence maintenant. Comment ça se passe chez les filles? À toutes les filles qui habitent la province, faites attention. À toutes les femmes qui habitent la province, n'enviez pas les soirées parisiennes. C'est Amer Kamer qui vous parle. C'est Amer Kamer qui vous parle. Il n'y a pas de famille en Europe. À toutes les filles qui habitent la province, si tu as ta soeur qui habite à Paris, oublie. Si tu as ta soeur qui habite à Paris, il faut oublier.
Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est tout simplement parce que la plupart des filles en province ont réussi leur vie. La plupart des femmes qui vivent en province ont réussi leur vie. Les bas Toulouse, les bas Nîmes, les bas Campion, les bas Derry, après les bas Belgique. Évitez toutes les filles qui habitent Paris. Les filles qui habitent Paris, ce n'est pas des panthères. Non. C'est moitié vampire, moitié loup. Non, moitié vampire, moitié panthère. Elles arrachent le jour comme elles arrachent la nuit. Mais la cible de ces femmes, c'est leur sœur. Ça veut dire qu'on a du mal. Mais la cible de leur femme, c'est leur sœur qui habite la province. Comment elles font ça? Au cas où la fille, elle est mariée. Alors c'est comment? Oui, maman, il y a une grosse soirée. Oh, oh, il y a une grosse soirée. Oh, maman. Hey, tu sais que j'ai mon association. T'as dit, tu dis que viens dans mon association. Non, il faut venir dans mon association. Mais pourquoi tu ne viens pas dans mon association? Depuis que tu dis que viens dans mon association. Que ton vieux mari noir là. Ah, il faut laisser dire non. Il y a les vrais là-bas. Tu fais quand même des pourris là de la province là. Voilà comment on commence à prendre l'anga. Parce que la plupart des gars qui sont en province sont toujours complexés par les papes qui vivent à Paris. Voilà comment on commence à complexer donc les gars là dans la tête. Oh. Non, maman, moi je suis dans deux réunions. Hein. Je suis à une autre réunion de mise. Tu connais ma maison que j'ai en train de construire là. Ah, tu ne sais pas que je construisais la maison? Oui, j'ai coulé une dalle là. Parce que je n'ai pas, tu sais que comme je n'ai pas l'argent, je m'en vais de 24 niveaux. Comme je n'ai pas l'argent, là, je vais seulement 24 niveaux. Ah, ok. Ok. Sa soeur rapproche le téléphone. Elle n'a pas l'argent. Mais elle veut seulement faire un 4 niveaux. Merde. Elle est dans les tontines de 1000 euros. Merde. Elle m'a fait la réussite. Après maintenant, la même pauvre fille, elle va quitter le mensonge qu'on vient de l'allumer avec sa cousine de Paris. Elle entre dans TikTok. Aller insulter Oshiga. Oshiga, c'est une merde, c'est une salope. C'est la même fille qu'on vient de frapper là qui entre aussi dans TikTok pour venir insulter Oshiga. Merci, Bando. Thank you. C'est la même fille qui vient insulter Oshiga dans TikTok. Oshiga, tu es une merde, moi et mes cousines à Paris qui ont construit les maisons. Oh, elles sont dans ça. Sauf que la fille qui habite en province, elle ne connaît pas Yves Saint-Laurent. Elle ne connaît pas Louis Vuitton. La fille qui habite en province, elle connaît elle son H&M. Elle connaît elle son Gémeaux. Elle, quand elle veut prendre son petit sac, elle sait qu'elle est le turc qui est à côté là. Elle part chez le chinois, elle prend elle son petit sac. Elle est à l'aise avec. Maintenant alors, le flamponnement psychologique commence. Sa cousine de Paris là, qui est en train de la piéger. Mais elle n'est pas au courant que sa cousine de Paris est en train de la piéger. Maman, tu as mon dernier sac Louis Vuitton là, non? Hé, hey, maman, tu n'as pas vu le sac que j'avais à la soirée de Chanel? Tu n'as pas vu le sac que j'avais à la soirée de Flo là? Le sac là, oui! C'est le sac là que... Maman, tu as le sac. Maman, tu sais comment j'ai payé le sac là? J'ai payé le sac là, non? Alors tu sais que le gars m'a même fait un prix, j'ai payé le sac là à 8000 euros. Parce que les filles de Paris, non, pas d'abord. Avant de sortir, tu t'habilles d'abord. Comment tu peux sortir si tu prends froid dehors? Hein? Tu n'as pas vu mon sac Louis Vuitton là? Maman, j'ai pris ça chez Louis Vuitton, ma mère, je n'avais pas l'argent, j'ai pris ça à 8000 euros. Le sac qu'elle allait prêter chez Cash Converter, elle a prêté le sac sur Cash Converter 25 euros pour aller à la soirée. Elle a laissé un chèque de caution, un faux chèque en plus, avec un faux caoulo, pour se filmer avec le sac. Parce qu'elle a prêté le sac sur Cash Converter samedi matin, au Cash Converter lui demandait de venir prendre le sac. Samedi soir à la fermeture. Elle prend le sac, se cache qu'on veut dire. Samedi soir à la fermeture. Elle fait la promo de ça. Parce qu'il faut qu'elle vienne remettre le sac lundi. Parce que cache qu'on veut te louer les sacs de samedi soir jusqu'à lundi matin. Vous le mettez tout. Donc, le sac qu'elle a fait de ce pavana avec là, c'est le même sac. Merci Brico. Tu as compris le code, merci. Le même sac qu'elle a fait de ce pavana, c'est cache qu'on veut avec là. Wow, 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 wow. Maman, tu penses que c'est un poème? Non, c'est pas un poème, hein. Ce n'est pas pour elle. Parce que je cache qu'on veut être. Il y a deux choses qu'on loue facilement. Trois choses. Les bijoux et les accessoires. Non, deux choses. Les bijoux et les accessoires. Elle va te prendre un cachemire. Parce que cache qu'on veut te louer aussi les foulards. Il y a les foulards de Dior. Il y a les foulards. Les vrais foulards. Par contre, c'est les vrais foulards. Donc, quand tu viens louer, on te fait la formule. Sac plus écharpe plus bijoux. On te fait la formule à 50 euros. C'est-à-dire qu'à 50 euros, la fille a déjà les accessoires. Elle part maintenant à Barbès. Pour aller louer une robe de soirée à 100 euros.
Une robe chère, c'est 100 euros. Mais normalement, elle loue à 25 euros. Et quand tu vas louer chez Barbès, on te sort le catalogue. Défilé, Yamamoto, défilé, ils ont tous les noms là-bas. Donc quand la fille tape la robe sur elle, ma, cherche, reviens dans les soirées parisiennes d'il y a 3 ans. Tu vas trouver la même robe, le même sac, les mêmes bijoux chez quelqu'un d'autre. Chez quelqu'un d'autre. Ah oui. Donc, elle vient de blaser sa cousine qui habite en province. Qui est elle dans la réalité? Parce que la fille qui habite en province, elle est dans la vraie réalité. Mais sauf que sa cousine qui habite à Paris, dans une chambre où ils sont 9, elle n'est pas dans la vraie réalité. Elle sait qu'elle est en train de pigeonner la fille. Voilà comment, une semaine ou 2 semaines avant la soirée, sa cousine monte donc sur Paris. Voilà donc comment elle tombe donc sur sa cousine. Moi, je sais même pas ce que tu fais avec le noir, là, maman, toi aussi, tu as l'épouseur le noir. Parce que vous allez remarquer que les filles qui habitent Paris ont tendance à mépriser les sœurs noires qui ont épousé les hommes noirs. Ouais, mon petit. Oui. Donc, vous allez remarquer quelque chose de très important. Les sœurs noires qui ont épousé des noirs sont toujours méprisés par leurs sœurs parisiennes. Oh, tu, encore, tu laisses les noirs en Afrique pour venir épouser les noirs ici en Europe. Mais franchement, tu me déçois. Oui, ouvre. On va trouver 15 qui savent les noirs. Mais apporte ça. C'est pas ma taille. Mais trouve alors quelque chose qui est à ta taille. Non, laisse la porte ouverte. Trouve quelque chose qui est à ta taille, non. Peut-être dans mon sac. Ok, regarde là. Ok. Donc, c'est comme ça donc que. Elle va d'abord venir à Paris la première fois. Maman, laisse ton mari là-bas. Dis donc, ton mari même c'est qui? Un pauvre gars comme ça là. Hein? Et quand elle a regardé sa cousine, elle a d'abord prêté encore les habits chez sa copine Wakala. Parce qu'il faut qu'elle impressionne sa copine, sa cousine. Je dis sa cousine, pas sa copine. Ça se passe dans la famille. Voilà donc comment la fille va donc se lever. Elle va impressionner sa cousine. Tu fais quoi toi? Je connais, j'ai un blanc là, maman. Si tu vois le blanc là, maman, il peut te gérer. Tu as le genre d'un gars qui est blanc. Tu es le genre de femme. Voilà comment elle dit dans toi aussi, elle s'y saura même. Voilà comment la fille qui est complexée par sa cousine de Paris se retrouve en train de tromper son mari. Mais elle oublie quelque chose. C'est que le fait de tromper son mari avec l'appui de sa cousine entraîne à ce qu'on va appeler plus tard le chantage. Elle va lui dire, écoute, j'ai un blanc là qui veut me voir, allons accompagner. Voilà comment elle organise que le blanc a déjà organisé son portier là-bas, qu'il veut tailler un gars black. Voilà comment une fille qui n'avait jamais fait la prostitution de toute sa vie se retrouve dans une situation où elle a laissé son mari en province, elle a laissé son enfant en province, se retrouve dans une situation de prostitution à Paris parce qu'elle a fait l'erreur de faire confiance à sa sœur. Tu lui as fait comprendre qu'elle a mis la première dalle pour un immeuble de 4 niveaux. Il faut fermer la porte. Fermez ça vite aussi. Voilà. Pousse. Avant, on va mettre sur le floor. Ramène ça, regarde. Ramène ça comme ça. Ok, c'est bon. Regarde. Là. Quand tu as ouvert ça, c'était comment? Remets ça, regarde. Fais ça. Voilà, fais maintenant. Allez, ramène maintenant. Ok. Quand on veut faire quelque chose, on utilise quoi? La tête. D'accord? On utilise quoi? Comme ça. Voilà. Donc, on continue. Oui, merci Pando pour le tapotage. Oui, tapoter, oui, attends même pas. Les gars, tapoter. On devait déjà être à 100 cas de tapotage. Les gars, tapoter. On devait déjà être à 5 cas de tapotage. Voilà donc comment la fille se retrouve en train de tromper son mari. Parce qu'elle a fait confiance à sa cousine. Parce que sa cousine a passé le temps à dénigrer son mari, à valoriser ses gars. Et comme l'autre fille est complexée par le blanc, les vieux blancs là. On l'amène dans un appartement à Paris. On ne la touche pas là-bas.
C'est déjà un secret entre elle et sa cousine. Voilà donc comment la fille va se retrouver obligée de venir à la soirée dont sa copine lui a parlé. Mais sauf que quand elle vient à la soirée qu'on lui a parlé, c'est pour que sa cousine lui mette avec les faits mal. Avec les faits mal qui vont venir là où elle habite, falsifier les documents de son mari, aller ouvrir les comptes bancaires dehors. Parce que quand la fille va tromper le gars avec le blanc, la deuxième fois, elle va tromper avec le noir. Les gars vont prendre les renseignements sur son mari noir, aller ouvrir les comptes bancaires avec la pièce d'identité de son mari si le gars n'a pas volé ça en passant. Voilà comment une fille innocemment, à cause des soirées parisiennes, met son mari en interdiction bancaire. Certains ont fait la prison pour ce qu'on appelle usurpation d'identité. Beaucoup ont fait la prison comme ça. Il était innocent. Un jour, tu vois la police entrer chez toi. Cette histoire a chauffé il y a 5 ans de ça. On a arrêté les gars comme ça. Tu vois quelqu'un, je l'ai dit qu'il a 4 comptes bancaires, qu'il a pris les crédits des voitures, qu'il a pris ceci, qu'il a pris cela. Le gars, on a fait, mais comment, quel crédit, moi, voilà ici à la maison. Je ne suis jamais sorti. Le gars dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, que c'est sa femme dans la maison qui a donné l'ouverture. Parce qu'elle a fait confiance à sa soeur des soirées parisiennes, une pauvre fille qui n'avait jamais eu de problème dans sa vie, se retrouve dans une situation terriblement terrible parce qu'elle a fait confiance à sa cousine qui l'a livré à un blanc, après à un noir qui fait le tchat, après son mari se retrouve directement. Certains ont pris, et je vous le dis, certains ont pris des crédits de 50 000 euros, 60 000 euros. Certains ont payé des voitures avec les papiers, l'argent des gens. Certains ont fait des roulements. Ça veut dire que le gars, il est dans une maison avec sa femme. Lui, il a son compte à la poste. Mais on ne sait pas que dehors, en plus de son compte, que lui, c'est qu'il a la poste, il a un compte au Crédit Lyonnais. Il a un compte à la BNP. Il a un compte au Crédit Mutuel. Le gars, au moins 5 comptes dehors. Parce que le féman, le tchatchaman qui sort avec sa femme, a déjà analysé tout. Il a pris toute la documentation. Parce que le tchatchaman était venu un jour chez le gars, quand le gars était au travail. Il est entré, il a profité, il a repéré la queue, il a flashé les cartes, il a tout fait à l'aise. Voilà comment le gars se retrouve dans une situation terrible. Certains ont fait la prison, étant innocents. Certains ont tout simplement été interdits bancaires. Certains ont dans les procédures. C'est des vérités. Quand vous dites que vous vous glorifiez, vous valorisez, quand vous dites que vous dénigrez ta mère, moi je n'ai pas le cœur. Je n'ai pas le cœur d'entrer dans les soirées par exemple. Je n'ai pas le cœur de ça. Quand je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Toutes ces filles, aucune n'habite Paris. Aucune. Elles sont derrière Paris tous. Dans les chambres de 8 pièces. Le chambre de 2, genre le chambre que Ducambino avait la dernière fois. Ducambino, c'est l'exemple parfait d'un bendiste qui a raté sa vie. Pour une seule raison. Pour une seule raison. Voilà quelqu'un qui est monteur de meubles. Qui est toujours dans les sous-locations. Qu'on chasse toujours quand le bailleur. Parce qu'il faut comprendre que la sous-location que vous voyez là, quand le gars rentre, la sous-location se passe comment? Regardez que dans tous les chambres que Ducambino, dans toutes les maisons que Ducambino part, remarquez quelque chose. Il n'y a que le canapé au salon. Il n'y a pas les photos sur les murs. Toutes les chambres sont vides. Il n'y a que le lit. C'est ce qu'on appelle la sous-location. Il ne peut montrer que Sacha, il ne peut pas montrer les chambres des autres. Parce que s'il fait l'erreur de montrer les chambres des autres, il prend la porte. Parce que celui qui lui a donné la maison de se louer, lui a donné des conditions claires. Je ne veux pas que ma maison apparaisse. On tapote. C'est pour ça qu'on a fermé les commentaires. On tapote. Merci pour ceux qui ont rempli l'objectif. Merci beaucoup. N'oubliez pas qu'il y a encore l'objectif. On tapote. Voilà pourquoi Ducambino, quand il filme sa chambre, il ne filme jamais toute la chambre. Jamais. Il filme toujours le haut. Parce que le bailleur qui est au Cameroun, lui, il a vidé la maison. Il est au Cameroun. Pour ne pas perdre la maison, met la maison en sous-location. Met la maison en sous-location.
Merci, merci. C'est important. Voilà donc pourquoi, quand il veut narguer les gens qui font le live, il ne va jamais vous montrer les chambres des autres. Il ne va jamais vous montrer, il va vous montrer vite fait la salle de bain. Quand tu regardes la salle de bain, il n'y a rien à l'intérieur. Parce que quand quelqu'un se lave, il ramasse tous leurs affaires. C'est le code de la sous-location. Mais c'est lui qui est dans les soirées. C'est lui qui mange dans le 17e. Parce que Dukabindo, dans sa tête, vit avec le complexe du regard des autres. Dukabindo, dans sa tête, il a enlevé dans sa tête que, comme je gagne 1300 euros, bête à genoux derrière Paris, un petit studio que je paye à 400 euros et le studio est à mon nom. Il a oublié tout ça. Il a oublié les règles de base pour la réussite d'un benguiste, la renaissance. Tu ne peux pas renaître quelque part si tu n'as pas vidé ton cerveau. Dans tout ce qu'un homme peut faire dans sa vie, le commandement numéro un, le commandement ultime, c'est ce qu'on appelle la renaissance. Je dois renaître. Dans ma renaissance, j'enlève la honte, le regard des gens. On a honte parce qu'on prend en considération le regard que les gens ont envers nous. Voilà pourquoi on a honte. Mais sinon, en règle normale, on n'a pas honte. Et c'est une vérité. Et c'est une vérité. Voilà donc comment. Tout ce que vous voyez dans les soirées parisiennes avec les bouteilles de champagne, tout ça, là, vous valez mieux que ces gens. Vous valez mieux que tous ces gens-là. Pourquoi pars-tu payer une bouteille? Vous pensez que quoi? Est-ce que vous savez que ceux qui vont en vacances dépensent plus d'argent que ceux qui vont en boîte de nuit? Mais oui. Parce que quand quelqu'un va en vacances, il va pour 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine. Il dépense combien? 2000 euros, 3000 euros. Tu vas le comparer avec un minable qui va dépenser 2000 euros dans une soirée. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rivaliser. Parce que celui qui est dans une soirée, il est là pour qu'on regarde. Oh, regarde, jusqu'à les annoncer dans le micro. Oh, voilà l'arrivée du pétrolier. Le pétrolier qui arrive. Le boss de toute maman. Tout ça là. Quand vous regardez les grandes soirées mondaines, on annonce les gens. On n'annonce pas. Dans les grandes soirées, on n'annonce pas. Dans les grandes soirées, ça se passe comment? C'est qui là-bas? Oh, sa mère quand même, il a deux immeubles dans le 16e. Oh, merde. C'est qui là-bas? Non. Celui-là a investi à Dubaï. Non, celui-là. Non. Dans les vraies soirées mondaines, on connaît qui est quelqu'un. On connaît qui est qui. Soirée des escrocs. Ils savaient les gens là qu'on va venir comparer à mère quand même. Bon, ceux qui sont sur Facebook, je vais couper le live parce qu'il y aura la deuxième partie d'hier ce soir. Ceux qui sont sur Facebook, vous êtes 433 personnes sur Facebook. Vous pouvez passer directement sur TikTok. Vous tapez Amer Kamer 237. Je suis connecté sur TikTok. Pour tous ceux qui sont là sur Facebook, vous pouvez passer directement. N'oubliez pas, la cagnotte d'Amer Kamer est là pour ma formation VTC. Donc, n'hésitez pas à contribuer. Ça me ferait vraiment plaisir. Sans oublier que la formation VTC... normalement, si tout se passe bien, je peux la commencer après les vacances de Noël. Et pourquoi je fais la formation VTC? Parce que les Jeux Olympiques arrivent en 2024. Je conseille, je donne un conseil à tous ceux qui sont là, à tous les Africains de Paris, allez faire les formations VTC parce que nous allons transporter les gens. Nous allons transporter les gens. Moi, quand je tombe dans un filon, je vous donne le secret du filon là. Nous allons transporter beaucoup de gens. Moi, je n'ai pas l'argent pour payer la formation VTC. Donc, pour tous ceux qui veulent m'aider, mon PayPal est là, vous pouvez participer. Je dis merci la famille. Ciao, ciao.